Salut à tous les cartooners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Foot de rue. On va parler d'Assad, le personnage qui a l'histoire la plus touchante de Foot de rue saison 4. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Allez, c'est parti! Assad est le personnage le mieux écrit de la saison 4. Il a un passé touchant qui pourrait concurrencer le passé de Tag ou encore celui de Jérémy. Je vais vous raconter son histoire rapidement. Sa famille et lui traversent la Méditerranée sur un bateau de fortune pour fuir leur pays en guerre au Moyen-Orient. Ils sont sauvés du naufrage en pleine mer par un patrouilleur d'une association. En Italie, ils prennent le train pour la France, le train est en arrêt à la gare frontière et les contrôleurs douaniers arrivent. Ses parents et son petit frère Elias sont descendus du train, Assad qui se baladait de wagon en wagon passe entre les mailles du filet. Il est ensuite recueilli à l'Institut Rifleur où il rencontrera les Bleus. Par rapport à cette guerre qu'il a vécue et à tout son parcours, Assad a appris à relativiser. Sans parler de ses aptitudes balle au pied, Assad est un personnage qui a un background et un objectif qui est de retrouver ses parents, son petit frère et de gagner la compétition de foot de rue. Il a l'esprit shonen, c'est un personnage qui a un vrai but comparé à certains. Oui, j'avoue, c'est une balle perdue. En tout cas, hâte de voir la suite de ces aventures avec Petit Dragon. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je vais vous sortir bientôt une théorie sur foot de rue, restez branchés. Plein de choses arrivent sur la chaîne. Likez et commentez un max cette vidéo. Il faut donner la force. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayo, Nara.